Bonjour à tous, frères et sœurs, amis. On a eu, enfin du moins, il a eu à cœur de vous expliquer comment qu'il a rencontré le Seigneur, comment que la famille Pétel s'est convertie, le départ, comment que tout a commencé. Alors, moi, bien sûr, c'est mon père. Je connais son témoignage. J'ai connu toutes ces choses, j'ai connu tout ce départ dès ma jeunesse. Mais il va vous expliquer comment que il a rencontré le Seigneur, comment que tout a commencé dans sa famille, le bouleversement, comment que ça a fait boule de neige, comment que toute notre famille s'est convertie les uns derrière les autres. Alors comment que tout a commencé alors? Béni soit Dieu. Déjà, premièrement, j'aimerais remercier tous nos frères, nos sœurs et amis pour ceux qui nous soutiennent hein, dans les champs. On a mis quelques petites vidéos et puis vous avez, il y a beaucoup de mots de soutien et ça nous fait vraiment plaisir. Non seulement on n'en tire aucune gloire, vous l'avez bien compris, toute la gloire elle revient au Seigneur, mais c'est encourageant et ça fait vraiment plaisir. Voilà, tout simplement, c'est que ben, la famille Pétel, elle n'est pas venue au monde chrétien. Hein. Il a fallu aussi qu'on fasse l'expérience du salut. Pour nous, tout a commencé par un de mes frères, mon frère Kiki, hein, pour ceux qui le connaissent. Et il s'est trouvé dans une région en 1985, c'était l'été, et il s'est trouvé dans la région de Tours. Il revenait du bord de la mer. Il avait été passé un temps là-bas et puis en descendant, il s'était arrêté à Tours. Et sur cette place où il s'est arrêté, il arrivait une mission. Et c'est la mission du frère Jojo Fabulé, pour ceux qui le connaissent. Et puis, ils ont monté une petite toile. Et puis, ils ont fait des réunions. Et mon frère n'avait jamais fait de réunion. Parce que chez nous, on a grandi sans l'évangile. On a grandi, voilà, comme ça, dans des foyers d'inconvertis. On voyait ça de loin, hein, on voyait bien sûr des gens qui étaient chrétiens, qui venaient, qui se déplaçaient. Mais nous, on avait une attitude de respect, on respectait les gens, on a toujours respecté les gens. Mon père, c'est un homme qui nous disait toujours, il faut toujours respecter, avoir du respect pour son prochain. Et puis, il s'est passé une chose, c'est qu'ils ont monté cette petite toile pour en revenir à mon frère. Et il n'a pas fait 50 réunions. Vous savez, il y a des gens. Ils font des milliers de réunions et puis sans se convertir à Jésus-Christ, pas dans des missions, des conventions. Et lui, c'était la première mission de sa vie qu'il faisait. Et il a fait une seule réunion, il n'en a pas fait 50. Il a fait une seule réunion et s'est converti à Jésus-Christ. Et quand je parle d'une conversion, ce n'est pas simplement une émotion, vous avez bien compris, quelque chose qui allait durer un temps et après s'effacer ou disparaître. Il s'est complètement changé, transformé. Ce n'était plus la même personne. Mais il y a eu un phénomène, et c'est sur ça que j'aimerais attirer l'attention, vous attirer votre attention, c'est qu'il s'est passé quelque chose, c'est que à l'époque, moi je fréquentais donc une fille, et c'est la sœur de sa femme, mon frère. Donc on est mariés, qui est deux sœurs. Voilà. Et donc, ma fiancée à l'époque avait été aussi pour la première fois à cette réunion, et elle s'était donnée au Seigneur. Et Dieu avait agi puissamment, elle était complètement changée, transformée. Et ma compagne, chez elle, c'est pareil. C'est tous des inconvertis, des gens. Ma belle-mère, encore aujourd'hui, on est en 2020, elle n'est toujours pas au Seigneur. Elle n'est toujours pas convertie. Ça veut dire que c'est des gens très durs. Vous savez, dans notre peuple, les Yéniches, on est des gens assez durs. Hein, on a toujours peur de se faire rouler. Ou de, voilà, on est toujours un peu craintif. Et puis, c'est notre attitude. On est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais dans cette réunion-là, mon frère se convertit et ma fiancée. Pour l'époque, eh ben, elle se convertit à Jésus-Christ. Et quand on apprend ça chez nous, j'ai ma mère, elle apprend que donc, mon frère s'est converti et qu'il allait partir, suivre cette mission jusqu'à la convention de l'époque. C'est en 85. Il partait à l'époque à la convention de Saint-Nazaire. C'était à l'époque. Et puis il avait téléphoné à mes parents en disant, voilà, je vais me baptiser. Alors ça fait tout un remue-ménage chez nous. Ma mère a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont été faire à mon fils? Ils ont transformé le cerveau, ils lui ont monté la tête, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Alors ça a été tout un chamboulement. Les semaines ont passé et mon frère est revenu chez nous dans les terrains là où on reste sur Vierzon. Et puis il arrivait avec ses convois, bien sûr. Moi j'étais content, il venait avec sa belle-mère, donc qui allait être ma future belle-mère, hein, ma fiancée venir, donc j'étais content aussi. Mais Dieu avait préparé tout un plan derrière ça. Il est arrivé et puis il s'est mis dans le terrain. Et puis il a commencé à nous parler. Et le connaissant, parce que son frère, on le connaît, vous avez bien compris, son frère, on a été élevé dans la même niche, on a été élevé ensemble, on se connaît, on ne peut pas se tricher. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, il va pouvoir essayer de vous rouler ou autre. Et puis il nous parlait, et puis il nous disait ce qu'il avait rencontré, que c'était quelque chose de bon, quelque chose qui faisait du bien, quelque chose qui remplissait un cœur. Parce que c'est un garçon, voilà, je n'étais pas un petit peu vite fait sa vie, parce que.
C'est à travers lui que tout le réveil s'est fait chez nous. Et Dieu avait bien choisi les choses. C'est un garçon, c'est un arriviste. C'est un garçon que... On n'est pas là pour parler d'argent, mais financièrement, matériellement, c'est un garçon qui avait une grande, grande réussite. Et puis là, il voyait ça comme de la boue. Pour lui, ça ne lui intéressait plus. La seule chose qui lui intéressait, excusez-moi, la seule chose qui lui intéressait, il y avait une seule chose qui lui intéressait, c'était de parler de Jésus. C'était de nous faire connaître celui né de rencontrer. Et puis, alors, on ne comprenait pas trop sur le coup. Nous, on croyait que voilà, ma mère disait, oh, ça va durer un moment, puis peut-être après, il va revenir comme avant. Et puis, les jours ont passé, les semaines, bien sûr, les années ont passé. Mais pour en revenir à moi, c'est que ma fiancée s'était convertie aussi à l'époque. Et vous savez, à l'époque, c'était, on se voyait pas comme aujourd'hui, on se cachait. Hein, il y a 35 ans, on se cachait pour quand on fréquentait. Aujourd'hui, c'est un peu plus libre, c'est différent. Et puis, je me rappelle, le soir, on cachait, on s'est donné un rendez-vous. Et puis, elle est arrivée et elle avait un sourire. Je vous dis pas, c'est même pas la peine. Et puis, alors, j'ai, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, elle me dit, voilà, j'ai rencontré le Seigneur. Ça va peut-être faire sourire quelques-uns, ça va peut-être faire rire quelques-uns. Alors, elle me dit, voilà, il va se passer une chose, c'est que quand on va se marier, elle dit, tu vas m'essayer de me baptiser. Alors, ben, vous comprenez, je n'allais pas dire non. Je dis, oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, tu pourras te baptiser. Elle dit, et puis il y aura aussi, il faudrait que tu m'amènes dans les missions, dans les réunions. Oui, oui. Et vous savez, alors, tout ce qu'elle me disait, je disais, oui, vous allez voir, pour l'instant, tout va bien, mais après, c'est un drame. Et je disais, oui, 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 pas de problème, je t'emmènerai dans les missions, dans les réunions, tout ce que tu veux. Et quelques mois ont passé, on s'est mariés. Bien sûr, pas la première semaine de mariage, mais au bout de quelques temps, elle m'a dit, voilà, il y a une réunion chez les sédentaires, elle dit, ce serait bien que tu me laisses aller. Et à ce moment-là, je demande pardon au Seigneur, et sans choquer personne, je suis devenu assez violent, et j'ai dit, maintenant, c'est terminé, je veux plus que tu me parles de ça, mon frère, il fait sa vie, il fait ce qu'il veut, moi, ça ne m'intéresse pas. Je pensais pas que je ne croyais pas, j'étais incroyant. Pour moi, la Bible, c'était des fables, c'était voilà des contes de fées. Voilà pour les gens, lui, pour moi, il avait rencontré ça. Et puis pour moi, c'est si pour lui c'était bien, mais c'était comme ça. Et puis mon foyer a commencé à subir. Mon foyer a commencé à avoir la misère. Alors j'étais, on n'était pas des garçons, vous savez, j'étais pas un garçon, un grand buveur, un grand sorteur, non, pas du tout. Mais j'avais un très vilain défaut et je rendais mon foyer extrêmement malheureux. Je rendais malheureux. Vous savez, le défaut que je vais vous dire là, il y a beaucoup d'hommes qui n'oseraient pas le dire, qui n'oseraient pas, ils auraient honte de le dire, mais quand on rencontre le Seigneur, il n'y a plus rien qui nous fait honte. Au contraire, je vois ma vie passer, hein, excusez-moi, comme de la boue. Et puis, pour l'époque, j'avais un très gros défaut, un très très gros défaut, c'est que j'étais extrêmement jaloux. Quand ma compagne, si je parlais avec quelqu'un devant la porte de la caravane, il ne fallait pas qu'elle sorte, il fallait qu'elle reste enfermée. Et je lui faisais plein de misère, je lui faisais... Vous savez, c'est pas le but de dire comment la violence, c'est pas ça, parce que c'est plutôt avec honte et puis avec désolation que je dis ça. Mon foyer partait complètement à la dérive, on n'avait pas de foyer. Des fois je partais 3-4 jours, je revenais, et le foyer c'était une misère. Et il s'est passé comme ça un temps. Et elle, de son côté, eh bien, elle persévérait en cachette. Des fois la nuit, elle priait. Je lui disais, qu'est-ce que tu fais? Rien, rien, elle me disait, rien, je fais rien. Et je devenais violent. Je voulais pas. Elle priait pour mon foyer, elle priait pour nous, elle priait pour moi. Et je voulais pas. Et c'est passé quelque chose, c'est que mon frère, il dit, je vais servir Jésus. Ben, je dis, c'est bien, tant mieux pour toi. Il me dit, je vais faire l'école biblique. Et je connaissais pas, on connaissait pas chez nous. Il me dit, je vais faire l'école biblique. Ben, je dis, c'est bien, mais je dis, c'est où? Ben, il dit, dans un petit pays en ordre, pour ceux qui ont connu, dans le centre de la France. Il dit, on va faire des études là pour apprendre à être pasteur. Ben, je dis, c'est bien. Il dit, ça serait bien que tu viennes passer quelques jours avec moi. Alors, ça m'embêtait un petit peu. Elle, c'est sa sœur, moi, c'est mon frère. Et puis, voilà, c'était un peu ma route pour aller dans l'Est. Et ben, je dis, écoute, si tu veux, voilà, je passerai quelques jours avec toi. Et ce que je ne savais pas, c'est que Dieu avait un plan. Dieu avait préparé tout un plan pour moi. Et moi, je ne le savais pas. Et puis, quand on a commencé à rouler, c'est tout des bois, des forêts, pour ceux qui ont connu. Alors on roulait, puis à un moment donné, dans le milieu de la forêt, il a commencé à mettre le clignotant. Mais je dis, où c'est qu'il va? Qu'est-ce qu'il fait? Je vois qu'il rentre dans un espèce de petit chemin. Je dis, où c'est qu'il s'en va? Et puis à ce coup, j'ai commencé à voir des caravanes. Dans cette forêt-là, je commence à voir des campings, tout ça. Et là, il y avait des gens qui étaient là,
qui étaient sur le côté. Excusez-moi. Les gens qui étaient là sur le côté, puis c'était sûrement des futurs étudiants pour l'époque. Et puis je rentrais avec mon convoi, je disais à ma femme, je te préviens, je reste pas. On va rester quelques jours. Et puis je dis après, je dis, on, deux, trois jours, et puis je dis, on s'en va, c'est pas la peine. Je dis, moi, ça, c'est pas mon. C'est pas trop. J'avais mon petit plan, moi, je voulais aller dans l'Est, je rejoins des copains. Je dis, moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Je suis quelques jours pour faire plaisir à mon frère. Et quand on est arrivé sur cette place, on a défait les clés de la campagne. Puis regardez ces gens. Et puis, vous savez, on a une âme, on a un cœur, on a une conscience, on a un esprit. Et puis, je regardais ces gens. Puis, je voyais qu'ils étaient souriants, qu'ils étaient joyeux, qu'ils étaient bien. Et puis, parce que nous, je vais vous expliquer, on est du centre de la France. On avait l'habitude de voir arriver des chrétiens, on faisait des marchés. Et puis, on avait l'habitude de voir tous les ans arriver des chrétiens par rapport à l'école publique. Donc, on connaissait. Et puis, alors, j'ai resté là quelques jours et j'ai eu un problème sur la place. Il est venu une personne qui est venue avec sa camping, qui passait. Et puis, je demande pardon à Jésus-Christ. J'ai cherché la misère à cette personne-là. Et puis, ça commence à mal se tourner. Et puis, mon frère, il est venu. Puis, il disait, mon frère, regarde, qu'est-ce que tu fais? Ça va pas? Alors, ils m'ont rentré dans la caravane. Je me suis assis. Ma femme, elle pleurait. Je lui dis, c'était pas vraiment pas terrible. Et puis, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Vous savez, il y a plusieurs moyens, plusieurs manières de se convertir. Des gens se convertissent à travers des réunions, à travers une guérison. Et je vais vous expliquer comment que Jésus, eh bien, est rentré dans ma vie. Oh, elle était devant moi, dans la caravane. J'étais à Lyon. C'était pas terrible, mais j'étais vraiment, vraiment pas bien. Elle pleurait et elle disait, regarde, notre foyer, il est foutu. Notre foyer, ça va être une catastrophe. Et puis moi, je criais, je disais pas des mots d'amour, croyez-moi. Et puis à ce moment-là, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'elle avait foi en Dieu. Elle savait que Dieu était vivant. Elle savait que Dieu était capable d'agir. Elle a fait quelque chose de tout simple. Vous savez, nous, on est des gens les plus simples du monde. Et elle a fait quelque chose le plus simple du monde. Elle a ouvert la porte de la campagne. Ma compagne serait là, je pourrais vous le faire dire, il y a 34 ans qu'il s'est passé ça. Elle a ouvert la porte. Et elle a regardé le ciel. Et puis elle a dit, Seigneur, tu n'existes pas. Parce qu'elle dit, si vraiment tu existerais, tu le briserais. Et à ce moment-là, alors moi, je fais quelque chose. Parce qu'en réalité, mon cœur est en miettes. En réalité, je ne suis pas heureux. En réalité, je ne suis pas heureux. Même, vous savez, j'étais un garçon, j'aimais blaguer, j'aimais rigoler, j'aimais faire rire les gens. Mais au fond de mon cœur, il y avait une tristesse. Et au fond de mon cœur, il y avait une angoisse. Il y avait une peur. J'avais peur de la mort. Je me disais, alors excusez-moi, je ne veux choquer personne, mais je me disais, c'est pas possible que la mort un jour va se mettre sur moi, et puis on va m'enterrer, on m'oubliera, et ça sera fini, ça s'arrêtera là. J'avais ces craintes, ces peurs qui tombaient sur moi. Et puis, quand je la regarde, eh bien, j'y suis vraiment, il est vivant, comme il dit. Si vraiment Dieu est vivant, eh bien, qu'il touche mon cœur, qu'il vienne, et puis qu'il me touche, qu'il touche ma vie. Et à ce moment-là, je provoque Dieu. À ce moment-là, je l'invoque. Et celui qui l'invoque, eh bien, il est celui qui répond. Et à ce moment-là, dans ma caravane, j'invoque Dieu, je lui demande de venir, je lui demande de secours. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Pourtant, je manquais de rien, et en vrai, mon cœur était vide. Et vous savez ce qui s'est passé? Quelque chose est tombé sur moi. Une présence est tombée sur moi, je ne comprenais pas ce que c'était. Sur le coup, je ne comprenais pas. Vous savez, on a beau se prétendre être quelqu'un, ou vouloir être quelqu'un. Devant Dieu, on est des hommes, on est des misérables, on est des fourmis. Et à ce moment-là, je me suis assis sur mon lit. Et je voyais comme une vision devant moi. Alors je me frottais les yeux, puis je disais, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Je deviens fou. Je voyais carrément des gens, je voyais comme une vision. Et puis je voyais qu'on frappait quelqu'un, on le frappait, on le fouettait, on lui faisait du mal. Et on lui mettait une couronne d'épines. Je voyais pas son visage, mais ça brisait mon cœur. Ça fracassait mon cœur, ça déchirait mon âme entier. Et je voyais cette personne, et puis il y avait une voix qui résonnait au fond de mon cœur. Et la voix disait, c'est pour toi, c'est pour ton péché, c'est pour que tu sois sauvé, c'est pour que tu ailles la vie. Et puis ça remplissait mon cœur. Vous savez ce qui est en train de se passer? On aurait dit qu'on venait en moi et qu'on faisait le ménage. On aurait dit qu'on venait, on passait le balai, l'aspirateur, on enlevait tout ce qui était mauvais. Oh, j'ai pas d'aile dans le dos, je suis pas l'homme le plus parfait, mais je peux vous dire que Dieu a commencé à faire le ménage dans mon cœur. Et puis sa présence est tombée sur moi, ma femme voyant ça, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive? Il y a 2 minutes, c'est un lion, j'étais à genoux, je pleurais, je criais au Seigneur.
Et à ce moment-là, elle, quand elle voit ça, elle se sauve pas, mais elle sort de la campine. Et puis elle court chercher mon frère et un serviteur de Dieu. Et s'il voit la vidéo, il va se rappeler le frère, Jojo Fabulé. Il s'occupait des étudiants à l'époque. Et puis comme c'était l'ancien à mon frère, ils sont rentrés tous les deux dans mon camping. Et puis quand ils sont rentrés dans la campagne, mais avant qu'ils rentrent, je vous expliquais ce qui s'est passé. Avant qu'ils rentrent, l'ennemi est venu. L'ennemi est venu chuchoter à mon oreille. Et puis l'ennemi a commencé à me dire, qu'est-ce qu'il va dire ta famille? Qu'est-ce qu'ils vont dire ton père? Qu'est-ce qu'ils vont dire ta famille? Tu vas devenir un chrétien. Et tu vas devenir comme eux maintenant. Et puis et vous savez, Seigneur, pardonnez-moi, c'est mon témoignage. Pardonnez-moi du fond de mon cœur, c'est mon témoignage. Ça me disait, tu ne seras plus un homme, tu ne seras plus rien du tout, tu seras moins que rien. Et puis, à ce moment-là, le Saint-Esprit, qui rendait témoignage à mon esprit, me disait, mais tes amis ne peuvent rien faire, tes parents, ton père, ta mère ne peuvent rien faire pour toi. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose pour toi, il n'y a que Jésus. Et à ce moment-là, j'ai crié à Jésus, j'ai dit, viens aide-moi, sauve-moi. Et quelque chose est parti, quelque chose a lâché. Et les frères ont rentré dans le camping. Et quand ils sont rentrés dans le camping, j'étais à genoux par terre. Et ils ont commencé à prier pour moi. Il y avait la présence du Seigneur, alors, moi, excusez-moi. La présence du Seigneur, moi, je connaissais pas. Les gens l'écoutaient, la présence de Dieu, la présence de Dieu. C'est quelque chose qui m'enveloppait. On aurait dit que dans mon cœur, on avait tout enlevé. Tout ce qui était mauvais, toute la jalousie, toute la haine, toutes les colères, toutes les peurs, toutes les craintes. Tout ça avait été enlevé, tout ça avait été sorti de mon cœur. Et puis remplissait mon cœur. On aurait dit que j'étais enveloppé. Quand ils ont prié pour moi, on aurait dit que je partais en morceaux. Tellement que la présence du Seigneur était présente. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, dans cet instant-là, ça va demander des jours, des semaines. À un moment où je l'ai invoqué, au moment où je lui ai dit, viens, viens dans ma vie. Viens parce que mon foyer souffre, parce que j'ai besoin de toi. Il est celui qui répond. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, les frères sont sortis de la campagne. J'ai resté presque une journée. Je ne pouvais pas regarder ma compagne. Quand j'essayais de la regarder, j'étais brisé. Alors, il y avait des petits chemins là-bas, en ordre. Et ça va peut-être faire rigoler certains. J'avais peur que la présence, elle part. J'avais peur que ce que je venais de recevoir, ça ne reste pas. J'avais peur que ça allait durer qu'un moment et après, ça allait partir. Il y a 34 ans de cela. Il y a 34 ans qu'il a toujours été là, il ne m'en a jamais laissé. Il a toujours été avec moi. Je peux vous dire que les réunions, je n'allais pas aux réunions, les réunions elles étaient 7h30. En courant, j'allais. En courant, je me mettais dans les rangs, et puis j'attendais, j'avais soif que Dieu me parle, et puis que je sois encore béni, que je sois encore béni il y a 34 ans. Vous savez, je vous parle de ça, c'est comme si c'est arrivé hier. Je partais dans les chemins, prier. Et puis je levais mes mains au ciel, et puis je remerciais le Seigneur. Dans les jours qui ont passé, les semaines, on est parti en mission. Alléluia. Mon désir après, c'était d'appartenir entièrement à Jésus-Christ, obéir à sa parole. C'était de passer par les eaux du baptême. Et en 86, à la convention, à côté de Mâcon, là-bas, à l'époque, c'était à Cuiserie, je crois. On a passé, moi et ma compagne, par les eaux du baptême. Ça a été le plus beau jour de ma vie. Vous savez, on peut tout regretter. On peut tout regretter d'une vie. Ça va faire rigoler certains. On peut regretter de s'avoir marié. Mais on ne peut pas regretter de s'avoir donné au Seigneur. On ne peut pas le regretter, c'est pas possible. Bon, je vous dis, il y a 34 ans, je lui appartiens. Et puis attendez, il y a eu tout un programme derrière tout ça. Dieu n'a pas simplement béni mon frère, ou m'a béni à moi. Les autres qui étaient autour ont voulu aussi comprendre ce qui se passait. Et ils se sont convertis les uns derrière les autres. Mes frères, mes belles-sœurs, mes beaux-frères. Combien de frères ils s'est convertis? Les quatre se sont convertis. Et quatre prédicateurs. Et quatre serviteurs de Dieu. Et je peux vous dire que la plus belle chose, c'est ce qui a été glorieux pour moi. Mes parents sont venus en dernier, ma mère en dernier. J'ai vu mon père se convertir, 55 ans. Un homme qui buvait, on peut pas imaginer. Quand mon père se mettait à boire, il buvait à l'époque avec un homme qui est devenu serviteur de Dieu par la suite. Et pour les frères et les enfants pourraient le témoigner. Il commandait un fût de vin, un fût, une barrique de 200 litres. Et le monsieur, il emmenait ça avec le tracteur dans la cour. Et puis tant qu'il restait une goutte dans le truc, là, ben, il buvait. Et il faisait la fête.
Il a fait, mon père, des millions de serments. Des millions de serments, des millions de serments. Je boirai plus, j'arrêterai. Jamais il était capable d'arrêter. Et je l'ai vu un jour venir à Jésus-Christ. Alléluia. Il avait 57 ans. Il a tombé à genoux. Il a vu les bras au ciel. Le Seigneur l'a rendu, cet esprit. Il l'a complètement délivré. Il est devenu après le diacre de la salle. Alors mon père, pour ceux qui l'ont connu, c'était un homme qui faisait 2 mètres. Hein, il faisait 145 kilos. C'était une montagne, le plus gentil du monde, mais voilà, il buvait, c'était, excusez-moi du mot, c'était un alcoolique. Et je peux vous dire que Dieu l'avait complètement changé, transformé. Et puis là, on ne peut pas se tricher, père, fils, frère, sœur, on peut pas se tricher. Et je peux vous dire que depuis toutes ces années qui ont passé, eh bien, on marche avec Jésus. J'ai fait des expériences extraordinaires avec le Seigneur. Je peux vous dire que on a travaillé pour la mission, on a travaillé avec des frères. J'ai travaillé avec des frères, je suis parti à l'étranger avec des frères, avec le frère Jojo Guilloire, avec des plein de frères de la mission, plein de garçons de droite, de gauche, Michel Calonne, j'avais aussi passé un moment avec lui en Irlande. J'ai eu la grâce de passer des frontières et puis apporter mon témoignage, apporter mon petit concours. Et je le fais encore aujourd'hui. Amen. Et j'ai eu à cœur, j'ai dit, on est confiné, on est en miettes. Et puis je dis, Seigneur, j'ai dit à mon fils, je voudrais que les gens aient inaperçu de comment on s'est converti, que chez nous, c'était pas facile. C'est pas qu'on était des gens méchants, mais pour l'évangile, vous savez, je le redis, je me répète, les yéniches, ils sont assez durs. Hein, le cœur, c'est du silex. Mais voilà, d'un cœur de silex de pierre, eh bien Jésus, on a fait un cœur de chair, un cœur qui est capable d'aimer, de l'adorer, de le glorifier. Et ça fait 34 ans que je le bénis, que je le glorifie. Au jour d'aujourd'hui, mon fils qui est là, il va servir Jésus. C'est le plus beau cadeau. J'ai un autre de mes garçons qui a l'appel au ministère aussi. Je bénis le Seigneur. C'est le plus beau cadeau que Dieu peut faire. C'est que moi et ma maison, par sa grâce, pas parce que je le mérite plus que vous, mais par sa grâce, moi et ma maison, avec nos moyens ou nos faibles moyens, avec ce que Dieu nous a donné, eh bien, on le sert. On veut le servir de tout notre cœur. Et le désir de mon cœur à moi, c'est pas simplement que la vidéo, ça soit assez beau, c'est bien. Non, c'est pas ça. Ça m'intéresse pas, ça. Le désir de mon cœur, c'est que celui qui est derrière cette vidéo-là, et puis qui la regarde et qui dit, mais moi, c'est incroyable, son foyer ressemble au mien. Et puis, tu l'as fait pour lui. Alors, fais-le pour moi. Et je te le dis, Dieu est capable de le faire aussi pour toi, pour ton foyer, pour ta vie. Dieu est capable de venir et d'agir. Il l'a fait pour moi, il ne fait pas de favoritisme. Quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la race, quelle que soit la couleur. Même nos frères et nos sœurs sédentaires, même nos frères de couleur. Dieu a tout pouvoir, c'est tous les hommes. Il a dit qu'il attirerait tous les hommes à lui. Il n'a pas dit un seul peuple, il a dit tous les hommes à moi. Donc il t'attire à lui. Et j'espère de tout mon cœur que ce témoignage, eh bien, puisse servir de bénédiction, qu'elle puisse bénir nos frères, nos sœurs, nos amis, celui qui est découragé, celui qui est éloigné du Seigneur, de savoir qu'il y a un Dieu qui est vivant et qu'il faut rester dans sa bonne main d'amour. Que le Seigneur vous bénisse à tous. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Amen.